Salut les petits loulous, bienvenue sur la vidéo du mercredi 17 mars. On est parti tout de suite avec nos petits anges. On va aller voir quel est l'ange qui nous guide pour le 17 mars 2021. Tous nos êtres de lumière, mes anges. Waouh, non, j'en voudrais qu'un s'il vous plaît. Allez, j'aimerais un ange qui nous guide pour le 17 mars 2021. On a l'ange de la sagesse. On a retrouvé la sagesse. C'est quand même plutôt pas mal, hein? Et l'ange de la conviction. Et on vous demande de garder la conviction. Gardez fond vos projets. On va aller voir ce que nous dit les petites minettes qu'on fait cet oracle, là, que je me rappelle jamais le nom, mais que j'adore. Tac, tac. Cet oracle est énorme. Franchement, je crois qu'il fait deux fois mon téléphone. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes voulants. Et bon, on va prendre celle-là. Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer à tous les autres. Comment se sauver soi-même? Voilà. Donc on va arrêter de sauver les autres, on va reprendre la sagesse et puis on va se recentrer sur soi. Et en dos de deck, on a la palpitation du cœur. Je vous dirai un autre moment parce que selon les, on les découvre. Voilà. On va aller voir l'animal qui nous guide pour la journée de ce mercredi 17 là. Alors, quel animal est avec nous là? À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers à la source, j'aimerais savoir quel est l'animal qui est avec nous pour ce mercredi 17 mars, la spiritualité. C'est pas beau ça? Le pan avec la spiritualité. Et oui, hein. Quand on est en spiritualité, on est un peu plus sage quand même. Enfin, normalement. Et si je vous mettais de la lumière? Voilà. Éclairez-moi, éclairez-moi, éclairez-moi. Il est branché ma lumière, mais je ne peux pas dire qu'elle vienne tout tirage. Je vais la brancher l'autre jour. Donc voilà. On va aller voir. Moi, j'ai envie de faire un truc un petit peu fun là aujourd'hui pour ce mercredi. C'est le jour des enfants. Et ouais, c'est le jour des enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, bah, c'est pareil, c'est le jour des enfants. Comme ça. Donc je vais aller voir avec l'oracle de Mélisse que j'adore de Marie Besnay. Magnifique oracle, c'est vraiment une prouesse technique cet oracle. On va aller voir quels sont les messages pour ce mercredi là, ce mercredi 17 mars 2021. On nous parle de patience, alors on nous parle du dragon, de protection. Dragon, c'est la protection, de patience et de protection. D'accord, très bien. La méditation aussi avec le dragon. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mes univers à la source. Ok, super. Ah ben, nickel. On a l'étoile. On nous parle d'étoile. On a des très belles cartes. Hein. On nous parle de patience. On nous parle de protection. On nous parle d'étoile, d'être guidé vers une transformation pour une renaissance. La fée marraine, marraine ma bonne fée. Un petit clin d'œil à la marraine de mon fils que j'appelle toujours marraine ma bonne fille. D'ailleurs, je t'embrasse ma chou, je t'aime fort. Ok, on est pas... Et oui, toi aussi, ma petite filleule d'amour, je t'aime fort. Non, parce que je la connais. Ok, donc ça va pas, on n'est pas droit. Et vous savez que si je suis pas droite, je le vis super mal. Voilà. Depuis qu'on a... fait la vidéo, j'ai un peu déréglé mon plan et enfin mon pied. Et du coup, c'est un peu la. Un peu tous les jours, je règle avec vous. C'est pas grave, on se fait ça ensemble. Hein. Et en dos de deck, on a les amis sincères et les émotions. Fantastique. Mais écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal pour ce mercredi, j'ai envie de dire. Ok, d'accord.
Allez, on va rester dans le fun. Et puis, on va aller prendre l'oracle de la main. Qui est quand même assez fun. Moi, je l'aime bien, ce petit oracle. Et donc, on va voir sur la patience. On nous demande d'être patient par rapport à quoi? Par rapport à qu'est-ce? Voilà, je vais les prendre à l'endroit parce que mon oracle est tout à l'envers, à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers, donc je les prendrai à l'endroit. À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous dit que pour le printemps là qui arrive, il va falloir qu'on garde patience. Pour moi, patience pour un renouveau. Patience pour récolter les fruits qu'on a plantés. On est protégé par rapport à quoi? À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, mes cyber, à la source. On est protégé par quoi? Il faut qu'on médite sur quoi? Parce que c'est aussi ça, là. Le dragon. Oula, ça va pas du tout, ça. À tous les êtres... Ah, la plume, la légèreté. Retrouver de la légèreté dans une situation. Il faut qu'on médite là-dessus, sur le fait de retrouver la légèreté dans une situation. On est guidé par rapport à quoi? À tous les êtres. Wow, bah celle-là. On a le Seigneur qui sort. Donc pour moi, la sagesse. Alors, le Seigneur, c'est une personne d'un certain âge. Mais on est guidé à retrouver la sagesse. C'est le 11, hein. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles. On se transforme par rapport à quoi? Ah, on a le changement sur la transformation. Donc la transformation sur la transformation. Fantastique. Ok, et la nouvelle naissance, le nouveau projet, par rapport à quoi? Peut-être un nouveau projet au niveau professionnel, on va étudier, se replonger dans les bouquins, entamer une formation. Oui, vu qu'on va vers soi cette semaine, qu'on lâche prise et qu'on va vers soi. Ouais, on vous dit qu'on a peut-être été en dualité, on a entendu des messages, d'accord? On vous dit que vous avez été aidé par rapport à des conflits. Hein? Ouais. Ok, donc on va mettre la rivalité. On a peut-être été en dualité avec nous-mêmes, hein, déjà, pas savoir où on voulait aller, ce qu'on voulait faire. Très bien. Bon, on va aller voir avec l'oracle des artisans de lumière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris celui-là. Pour moi, ça nous parle pas mal de pro. Là. Je peux me tromper. Hein. La patience et le printemps, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignant. Voilà. On vous dit que il faut être patient pour réussir à développer toutes ces intuitions, à savoir réellement ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce qu'on a sur la protection et la légèreté là? Avec cette plume. Faites confiance à votre chemin. Il faut garder confiance. Il faut garder confiance vers là où vous allez. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous avez fait de la légèreté. On vous dit que vous voyez des signes aussi avec les plumes. Hein, les signes de vos anges. Sur l'étoile et la sagesse, on vous demande de faire une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. On vous demande de faire une pause dans vos activités un petit peu pour prendre de la hauteur et reprendre de la sagesse, pour acter un changement. On change par rapport à quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir des messages? La grand-mère de Jésus, semer de la lumière, poser des fondations, un plan divin. On va se transformer par rapport à une mission de vie, là. On va vers notre mission de vie, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fée marraine, le fait d'étudier? Non, elle est passée par son nom. Tous les êtres de lumière, ok. On nous parle de l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Voilà, c'est ça. Là, il faut prendre soin de vous. Hein. Et ça revient au syndrome du sauveur. Hein. Il faut vous sauver, vous, aller vers votre spiritualité, retrouver de la sagesse et aller vers vous. D'accord? Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Voilà. Vous stoppez un petit peu le mental. Là, vos guides vous disent « Eh oh, stop ». Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit, là. Du coup, pas mal, hein, ce petit tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la patience, le printemps, là, et le fait de... Ah, on vous dit le miroir magnétique. Vous attirez à vous tout ce que vous allez projeter. Donc, bah voilà,
Et on vous dit que ça annule toutes les cartes négatives. On n'a pas vraiment de cartes négatives. Hein. On vous dit que tu as confiance à votre chemin. Voilà. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des trahisons. C'est la fin des trahisons pour vous. Vous retrouvez vraiment de la légèreté. Vous êtes guidé par rapport à quoi? Ben, vous êtes guidé pour aller vers une union, pour aller vers la joie. Et ça tombe sur le fait de faire une pause. Arrêtez de vous poser des questions, retrouvez de la sagesse par rapport au sentimental, par rapport à ce que vous voulez faire, ce qui vous fait vibrer dans la vie. On vous dit que vous allez vous examiner, une situation, vous examinez peut-être trop, vous êtes peut-être pas assez intuitif. Reconnectez-vous à vos émotions et à votre intuition pour acter un changement et une transformation au niveau spirituel. On vous parle d'une distance. On vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à une situation qui était en distance. Mais vous êtes guidé par rapport à ça. On vous dit qu'il va falloir peut-être bouger aussi pour aller étudier, faire une formation. Ça nous parle de naissance. Ça nous parle d'un renouveau, d'une renaissance, de quelque chose qui va vous faire vibrer un peu plus. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle nous dit la triade par rapport à tout ça? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, je me guide à l'univers, me tirer à la source. Ok, c'est plutôt pas mal tout ça. On nous parle d'une mutation, d'une transformation, d'accord? Il faut être patient pour aller vers votre mission de vie, mais on vous dit que vous êtes en pleine transformation, d'accord? Et que vous allez bientôt récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. On nous dit que pour l'instant, vous êtes protégé, mais votre élévation est peut-être un petit peu bloquée. Mais vous allez vous en libérer pour moi parce que vous allez mettre derrière les trahisons, vous allez faire confiance à vos guides. Et vous allez arrêter de douter surtout. Arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de vos intuitions parce que vous allez vers de bonnes énergies. Vous arrêtez de faire pénitence aussi. Vous arrêtez d'être tout le temps dans le « je m'occupe des autres, je ne vais pas vers telle personne parce que j'ai peur d'en blesser d'autres ». Faut arrêter d'être sacrificiel un peu hein, et de faire pénitence. Et vous allez vers l'amour. Hein. On a juste l'amour qui tombe. Hein. D'accord? Voilà. Donc, un bébé, étudier peut-être une grossesse avec une personne de cœur, bouger dans les énergies. Vous êtes guidé par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Hein. On vous parle de frères. On vous parle de relations miroirs. On vous parle on vous parle d'amitié. On vous parle de famille. On vous parle de faire des choix et d'aller vers un nouveau départ et de ne pas être sacrificiel et d'être dans la spiritualité. Vous avez la réussite hein, aussi derrière. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord. Bon, on va voir ce que nous dit le Mao. Et puis, du coup, on enchaînera sur le sentimental. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est assez clair, hein, ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en disiez. Je ne sais pas ce que vous en disiez pour les jours des petits-enfants. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Eh ben, tiens, paf. Encore une fois, on vous dit d'être intuitif. Je n'invente pas. Hein. Je vous jure, je ne les invente pas. Je ne les crie pas avant. Hein. Imagine la meuf, elle trie ses cartes et tout avant. Alors là, je vais calculer. C'est ouf. Allez, du coup, c'est la protection, les guides, la légèreté. Là. On avait quoi, là? Je ne me rappelle déjà plus. Ah oui, avoir confiance en son chemin. Mettre de côté les intuitions et cette élévation qui est encore bloquée. Là. Bon, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. C'est plutôt pas mal, tout ça. Voilà. Pour mardi, on retrouve un équilibre. Sur l'étoile, la sagesse, là. La joie des doutes à l'envers. On nous parle de clé. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Il faut arrêter de douter de vos propres capacités. Vous avez la clé pour transformer les choses. On vous parle encore une fois d'études, de livres, d'études. Il y a des projets professionnels qui vont se mettre en place. On va étudier pour une grossesse. On va étudier comment on pourrait changer pour aller vers sa mission de vie. On va étudier dans des relations sentimentales. On vous dit dans tous les cas, écoutez votre cœur là. Écoutez votre cœur en fait. Écoutez votre cœur. La spiritualité, c'est écouter sur votre cœur. On vous dit que vous êtes un diamant. On vous dit que vous allez vous équilibrer. On vous a dit que vous allez... Il faut arrêter d'être dans l'illusion que vous n'avez pas de capacité. On en a tous en nous. Hein. Voilà, pour moi, vraiment, va vers une transformation intérieure. Là. On parle d'équilibre au niveau de la maison. On nous parle de fluidité. On nous parle de mort, de renaissance avec force pour une naissance, du coup. D'accord ?
Vous êtes un petit diamant. Vous êtes tous des petits diamants. Des éclats de petits diamants. Ok, bah c'est pas mal. Et ben on va aller voir, du coup, tac, tac, pareil, je vous mettrai la vidéo en accéléré. Je vais aller balayer tout ça. Allez, on est parti. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mercredi? Il y a tous mes actes de lumière. Mes anges, mes archanges, mes guides et univers, mon entière. D'accord. Donc, on va le prendre comme ça. Un homme, une femme, la sexualité, une personne fidèle qui va venir communiquer. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, je ne vais pas le prendre âgé, pas âgé. Je vais prendre le symbole masculin. On a un homme qui est fidèle, d'accord? Qui va être dans la communication, dans la légèreté, justement. Qui va se reconnecter à sa sexualité et qui va aller vers une femme, d'accord? Ok. Oui, en d'autres decks, on a les enfants. Hein. On a les enfants après une période aride, voilà. On retrouve la joie, la santé et on est guidé, d'accord? Voilà. Alors ça, ça va être les soucis de santé, normalement. Ça nous a peut-être donné des petits soucis de santé. Hein. Une histoire d'amour qui nous a donné des soucis de santé. En tout cas, là, que vous soyez célibataire ou en couple, parce que ça peut parler à un homme, à une femme célibataire aussi, qui va ramener à lui une personne fidèle, communicante, et avec qui ce sera un peu le fuego de la noche. Ce sera caliente, caliente, avec cette personne, vous comprenez, ça va se faire comme ça. Elle va avoir de sexual. Sexual. Il n'y avait pas une chanson comme ça. C'est fou, à chaque fois que c'est vous, je me rappelle pas des chansons. À part libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et oui, j'ai un enfant qui est fan de cette chanson. Que voulez-vous que je vous dise? On se farcit la reine des mèches, hein? Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a quand même la communication au centre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme, les êtres de lumière? Ouh, c'est un homme qui arrête de se protéger. Voilà, vous êtes un homme et vous arrêtez de vous protéger. Vous vous ouvrez à l'amour. Vous allez vers la sagesse et la spiritualité. Ok, donc j'en ai trop. Du coup, je vais prendre aucune, en fait. Vous allez me les refaire tomber. Voilà, un cadeau. Une personne fidèle qui arrive à vous et c'est un cadeau, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la communication l'oiseau, là? Ok. Ben, on nous parle encore de sexualité. Hein. Alors là, mercredi, il y en a, ça va faire tac, tac, boum. Coller, serrer sur la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une victoire avec un homme. Il arrive vers vous, c'est pour faire des choses sexuelles. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la femme? Eh ben, on nous dit que c'est la fin des échecs pour une femme. Une femme qui a été stratégique aussi, mais qui a plus besoin d'être stratégique. C'est la fin d'une brouille mentale. Des choses, ça tournait au niveau du cerveau. On arrête ces énergies-là. C'est plutôt pas mal au niveau sentimental, hein, là, pour l'instant. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, Annabella, Annabella, wow. Wow, wow, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Ouais, parce qu'en même temps, Rio, tu voudrais que ce soit Rio, quoi. Non, mais franchement, Rio Grande, Rio Olé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Ah,
On nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être qu'il y a une personne qui ne bouge pas parce que parce qu'il a peur. On ressemble à peur dans ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On nous parle qu'il y aura un cadeau d'ici quelques jours et que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps dire labeur. Hein. Ce n'est pas dur, hein, labeur. Hein. C'est obligé d'être dur. Hein. Sur la communication, la sexualité, on nous parle de choses secrètes. Il y a une personne qui a envie de vous et qui ne vous le dit pas. À mon avis, il va vous le dire quand même. Parce que là, sur la sexualité et la victoire, on a la victoire avec une personne. La situation semble être bloquée. Bon, là, pour le coup, sur la carte, c'est un homme, mais ça peut être autre chose. Et on vous dit que vous, la femme, vous sortez des échecs et vous avez trouvé une issue positive à cette situation. On vous dit que vous êtes dans la fin d'un cycle. Oui, bon, bah c'est sûr, hier, on était aussi dans la fin d'un cycle, mais on ne sort pas de la fin d'un cycle comme ça, en claquant des doigts. On vous parle de messages, de communication, donc arrive à vous. C'est une grande chance, c'est un homme loyal, et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Cool. Franchement, c'est la classe. Pour un tirage sentimental, je trouve ça top la classe. Bon, bah, on va aller voir, du coup, ce que nous dit notre petite améthyste love, et j'aimerais une seule carte. Sur chacun des items là. On va faire comme ça. Et oui, on va se la faire organiser aujourd'hui, les gars. On se la fait organiser là. Ça se passe comme ça. Sur l'homme, le bouclier et la prudence, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on nous parle qu'une nouvelle personne arrive pour vous dans les 3 mois. Une nouvelle personne arrive pour un homme qui arrête de se protéger dans les 3 mois, mais on lui dit attention, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Là, on a la fidélité, les cadeaux. Ah, on a une personne, compris, une personne qui porte des masques. Et pourtant, vous avez quand même un cadeau. Qui porte ce masque, alors? Qui porte ce masque? C'est peut-être ça, le cadeau. Vous allez déceler une personne qui porte un masque. Vous savez savoir qui porte des masques. Si vous posez une question, on vous dit non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On vous parle de ruse. Il y a une personne qui va user de subterfuge. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On nous dit de vous intéresser sur à vous. Hein, voilà, je vais faire le point sur vous. Et qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va arriver. Cancer, lion et vierge. On nous parle en deck de déménagement. Et juste derrière... des preuves que la foi soulève des montagnes et d'un nouveau départ, d'une renaissance qui arrive pour un contrat, un mariage, une fusion et que vous allez avoir des invitations. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, il y a peut-être là une personne qui va sembler fidèle et qui va porter un masque. Pour moi, vous allez avoir un choix à faire là, entre deux personnes. Vous allez être guidé, vous allez savoir. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une femme qui est un peu perdue là dans toute cette histoire-là. Alors la ruse, là on dit attention, ne tombe pas dans son piège. Il y a peut-être une personne qui veut que du sexe, hein, là, clairement. Donc il va falloir faire attention dans les nouvelles rencontres. Il va y avoir beaucoup d'attraction dans cette nouvelle rencontre aussi. Les êtres lumineux, les anges, mais ça, parce qu'on n'a pas l'amour qui est tombé hein, pour l'instant. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a une personne qui porte un masque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez lâcher prise sur une situation, vous. Complètement. Hein. Vous allez lâcher prise sur le fait d'attendre une communication. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de garder les ondes et des énergies positives. Et on vous dit que vous allez réussir à vous équilibrer au niveau sentimental. D'accord? Et en d'autres decks, on a la sérénité. Et juste après, on a l'amour. D'accord? Et pour ça, il faut vraiment faire confiance à ses intuitions. Donc, il faut être sage. Il faut être dans la sagesse et dans la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on a le syndrome du sauveur qui arrive. N'essayez pas de sauver tout le monde. D'accord? Voilà. Puis, si vous êtes une femme qui voulait savoir si un homme est bien, lui donnez pas tout de suite votre corps. Laissez-le poireauter. Voilà. Ça les calme en général. Les que tard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula, oula. Attends, j'ai tout qui est tombé en même temps. Ça m'a perturbé qu'elle tombe là-dessus. On vous parle d'un homme. Vous allez réussir à vous équilibrer par rapport à un homme. Alors là, j'ai des situations différentes.
J'ai des femmes qui sont plus en échec entre la sexualité avec un homme de cœur, un homme qu'elles vont trouver, célibataire ou autre. C'est une personne fidèle qui va communiquer, qui a peut-être des secrets, mais vous allez lâcher prise par rapport à ces secrets, vous allez avoir des communications. Pour d'autres, j'ai des hommes qui vont baisser leur garde, faire une nouvelle rencontre. Il y a une personne fidèle qui peut arriver à eux, mais au final, ce sera que pour une histoire de sexe. Donc faites attention, vous aussi les hommes. Pareillement, si vous êtes une femme, parce que je le dis vraiment dans les deux sens, ce tirage-là. D'accord? Donc ça peut aussi être ça. Donc méfiez-vous, les gens qui veulent que du sexe. Enfin, moins que vous vouliez que ça et que ce soit OK pour vous, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Voilà, on vous dit que il va y avoir beaucoup d'attraction, mais là, ça me fait penser le fouet au sado, vous voyez. Alors que d'habitude, ça peut me faire penser à l'autoflagellation ou autre chose. Donc, faites attention aussi à ce qu'il veut. On vous parle de gravir une montagne. C'est peut-être une compréhension de comprendre tout ça. Une dernière épreuve à passer pour aller vers votre spiritualité. On vous dit de ne pas manquer d'ancrage. Attention, soyez bien ancrés. On vous dit de garder des ondes positives et de communiquer. Qu'il va falloir qu'il y ait un homme qui communique avec vous. Et derrière, vous avez quand même un homme de cœur qui arrive vers vous pour quelque chose de stable. Voilà, homme ou femme, hein, vous remettez si vous êtes un homme dans les voilà, hein, dans ce qui vous convient. Hein. Ok, on va aller prendre un message avec, avec les portes de l'intuition pour nous éclairer là au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'homme nous dit? Bientôt, nous vont se relever. Je ne suis même pas sûre des paroles, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire sentimentale à venir, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes arcanges, mes poules. Ouais, j'en ai beaucoup trop, là. Moi, j'en aimerais bien qu'une, s'il vous plaît. Au moins une par une, quoi. Ok, ben, ce sera deux. On nous parle de la volonté, on nous parle de rester ancré dans le moment présent. Donc, restez ancré dans le moment présent. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais. On va peut-être vous envoyer une personne pour tester là, si vous vous aimez bien, si vous êtes dans cette sagesse de cœur et pas trop dans le syndrome du sauveur. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tous les êtres de lumière. À tous les êtres de lumière, les anges, les archanges. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et j'ai celle-là qui voulait tomber, la perle. Témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. Ok. Très bien. La disponibilité en d'autres bêtes. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ce tirage-là. On va aller voir... Ok. On dit de prendre le chakra du cœur. Donc, je vais aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Comment va être la personne qui vient vers le petit loulou? On vous dit de ne pas écouter les autres. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? On vous parle d'un homme ou d'une jeune femme brune. Tous les êtres de lumière. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez une nouvelle rencontre qui est proche. Ben, c'est très bien et c'est justement ça que je veux savoir. Cette nouvelle rencontre, elle va être comment là? Attention au poids de la famille. Donc cette famille, cette personne, elle n'est peut-être pas célibataire. Peut-être mettre à distance les rencontres par les moyens de télécommunication. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous allez quand même vers une âme sœur spirituelle. Hein. Vous voyez? Personne divorcée à l'envers. Cette personne ne sera peut-être pas divorcée. Ok. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc le mensonge, ça peut peut-être être que cette personne, elle est engagée. Donc méfiez-vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Au début, elle voudra peut-être que quelque chose de sexuel. Est-ce que pas dire que les choses ne peuvent pas changer après, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et ça, c'est la question à vous poser. Moi, qu'est-ce que je veux? Avec sagesse, vous vous ressentez sur vous. Vous n'êtes pas là pour sauver les autres, d'accord? Et vous êtes en fin de cycle, donc on va vous tester. Pour les relations d'âme, on vous dit qu'il y a un cadeau. On vous parle de transmutation. On vous parle de rêve. On vous parle de communication qui arrive à vous.
Bah, dis donc, ils veulent parler pour les liens d'âme, là. Après, oula. Non, non. Là, c'est mes deux mains gauches, hein. Autant pour moi. Donc, on vous parle de rêve. On vous dit que cette personne, elle rêve de vous. Elle est intuitive. On dit qu'elle est en pleine transformation, cette personne. On vous dit que là, elle est prête à communiquer. Elle est en train de comprendre les choses et de se connecter à la source. D'accord? Et d'être intuitif. Et elle a atteint ses limites, là. Voilà. Donc, pour moi, là, il y a des personnes qui bougent. Et vous allez vers le bonheur. Ok. Super. C'est plutôt pas mal, hein? D'accord. Moi, j'aimerais un conseil avec la lune. Je voudrais être sûre qu'on ne soit pas dans quelqu'un qui veut juste votre cul, quoi. Ça va être au clair. Quel conseil nous donnez-vous au niveau sentimental à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, l'univers à la source. Donc j'ai déjà celle-là qui se retourne, la lune disséminée. Prends le temps d'expirer, ce qui veut dire instant présent, prenez le temps, ne vous précipitez pas dans une situation amoureuse. Regardez la situation dans son ensemble. Prenez bien connaissance de tous les paramètres. Un nouveau cycle romantique commence. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec la nouvelle lune en balance. On avait à pleine lune en Sagittaire. Un temps pour donner plus que pour prendre. Pour moi, c'est pas à vous de donner. Hein. La confiance est la clé du succès. Ok, donc il faut aussi que vous ayez confiance en ce que vous vibrez. D'accord? Méditez et contemplez. La nouvelle lune en poisson. Moi, c'est la nouvelle lune dans laquelle on est. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte en d'autres decks. Et croyez en l'impossible. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Quand même pas trop de négatif. Ça va, je suis contente. C'est bien. D'accord. Écoutez, on va prendre peut-être une petite carte des petits anges pour sentimental et général. Qu'est-ce que... Non, non. Qu'est-ce que les petits anges vont nous donner comme message? Peut-être est-ce vous hein, qui êtes engagé. Hein. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuellement est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et l'espace sacré, nous tes anges, nous tentons une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon ben voilà, vous êtes en pleine guérison, donc ouais. Résultat positif. Bon, c'est pas mal. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir. Ah, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, peut-être que c'est ça. Ces masques vont tomber. Et au final, vous allez réussir à faire tomber ces masques et à être guidé au niveau sentimental parce que vous allez vous recentrer sur vous. Et dans les liens d'âme, bah, écoutez, votre autre, apparemment, ça bouge bien, quoi. Voilà mes petits loulous pour le tirage de mercredi. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous à vous tous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus. J'ai pas beaucoup de petits pouces bleus et je vous accorde beaucoup de temps et c'est cool parce que c'est un peu une reconnaissance de notre travail en fait. Bon bah c'est cool. Tu nous as accordé du temps, ça fait plaisir, ça me parle pas. Prends 2 minutes, un petit pouce bleu et ça fait plaisir. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve demain pour nos petites énergies du jour. Ciao, 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 ciao tout le monde, à demain.